صديقي جوليان وابني جوليان كنت في تلك الفترة. كنت عمرك صغير واستمعت إلى هذه الأسطوانة هذه اللي أنتجت في السبعينات. إيش اللي أثر فيك في هذه الأسطوانة وإيه اللي عجبك فيها وأنت ماذا كنت تعمل في تلك الفترة في حق الموسيقى؟ Alors là, j'étais jeune. Je n'avais pas de connexion avec le monde arabe, si ce n'est que j'ai voyagé à l'époque Baba Cool et j'ai vécu dans la vieille ville de Marrakech et j'ai écouté ces musiques pas du tout savantes mais populaires sans trop y faire attention du reste. Courte expérience avec le oud. Et sinon, la guitare classique, qui était ma passion folle, dévorante, puisque je jouais jusqu'à 15 heures par jour cet instrument. C'était une ascèse, une folie quasi mystique. Et j'ai trahi cet instrument. J'ai coupablement abandonné mon instrument fétiche pour me consacrer à une autre maîtresse qui était le kanoun. سيداتي وسادتي يسعدنا أن نستضيف الفنان الفرنسي جوليان جلال الدين فايس وهو أحد فناني الغرب ممن أحبوا بلادنا وموسيقانا الشرقية حتى أنه قرر أن يقيم في مدينة حلب. Soyez le bienvenu ici à Alep. Merci beaucoup. Monsieur Julien, vous avez installé à Alep depuis longtemps. Oui. Pourquoi vous avez choisi Alep? Eh bien, j'ai choisi cette ville d'Alep parce que, en fait, c'est une ville qui me fascine. C'était un moyen de me libérer de mes préjugés et de complètement faire abstraction de ma culture aussi d'occidentale et de vivre avec des gens qui sont pratiquants et surtout dans la musique soufie puisque je travaille sur la musique soufie depuis très longtemps avec l'ensemble Al-Kindi. Et je suis fourré dans les confréries soufies d'Alep à longueur de temps. Mm-hmm. Et où je participe aux zikres et j'essaye de rentrer moi-même en transe. Donc je débranche mon cerveau avec tout ce qu'il comporte de possibilités de spéculatives et polémiques. Donc c'est une, je dirais, une approche poétique. Voilà. أنت الذي حلفتني وحلفتني وحلفت أنك لن تخون فخنتني فلا أقعدن على الطريق وأشتكي كشقيق مظلوم وأنت ظلمتني ولن أدعون عليك في غسق الدجى يبلغ ربي Un jour, en relisant, parce que j'adorais la psychanalyse, mm-hmm. en relisant le psychanalyste Bruno Bettelheim, notamment en lisant son bouquin qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, je me suis dit, moi, il me manque de l'imaginaire. Je suis trop cartésien, j'ai besoin d'imaginaire. Or, la société occidentale ne peut pas me donner ça. Ouais. Elle me donne de la raison, j'ai besoin de déraison, j'ai besoin de planer, et j'ai besoin de vivre quelque chose d'autre. Hussein Al-Azami est le dernier représentant du style du maqam classique. Il n'y en a pas plusieurs. Il est le seul, l'unique et le plus talentueux dans ce style-là. Oh
Ma maison est une maison absolument extravagante parce qu'elle est à la fois petite et grande, avec des proportions insolites, puisque j'ai un plafond à 17 mètres de haut. Et tout est en pierre, en marbre et en pierre jaune ancienne. Et donc, c'est à mon avis, selon mes suppositions, donc une partie d'un palais mamelouk du XIVe siècle qui a été morcelé par suite d'héritage, dont j'ai une petite partie avec ce dôme et cette petite cour avec un oranger, un citronnier et un autre bassin tout en pierre. Tout ça au fond d'un labyrinthe dans la vieille ville, entouré de mosquées. C'est un vrai rêve. أحب في فؤادي أم لا أجيب وقود مستبد أم حبيب Un genre de soufi parce que je suis hétérodoxe par nature, hérétique par tradition, et donc j'ai une vision toujours étrange de toute chose, mais j'aime à vivre dans ces contextes mystiques, populaires, qui sont des véritables conservatoires vivants d'art musical, et je comprends bien que ce sont eux qui sont les vecteurs de la culture, des racines de la culture arabe. Cette maison que j'ai acquise à Alep, et donc un des objectifs, c'est un petit peu mon monastère, mon lieu de recueillement, de travail, de recherche, de composition, de répétition. Et c'est devenu le salon de musique, mon nouveau salon de musique d'Alep. J'ai repris un peu la tradition des réunions musicales qui existent aussi parfois chez d'autres gens.
I have my style. My mother from Switzerland, my father from Alsace. I have the Alsacian Swiss school of canon now. And shut up. Vraiment commencé à chanter à 17 ans, au sens un peu professionnel, mais comme son père est chef d'une confrérie soufie, Chouismou Abouak, Mustafa Habouch, est donc chef d'une confrérie soufie dans le quartier de Bab el Hadid, et pratiquement depuis son plus jeune âge, il a été constamment dans les confréries soufies, qui sont des vrais conservatoires de tradition musicale vivante, donc où on pratique le chant collectivement. La vie d'une mégapole, j'ai choisi Istanbul, qui est une immense mégapole avec une vie, mais on reste dans le monde musulman et dans la musique ottomane qui m'intéresse beaucoup. Si je pouvais me couper en plusieurs morceaux, j'irais également en Iran, voire en Inde aussi. Lütfeder bada sabah derdime derman getirin. I took the archives of Ottoman music, and in Turkey it's a big challenge because they hate Arabs for nationalistic reason, and I tried to play it with the intonation of the Arab music from the mosque and from the brotherhood. And I introduced also the instrument from Azerbaijan. Why? Because in the 17th century, the Ottoman Empire was very free and the people was going from land to land, from east to west, and they was playing all together. And this strict concept of to be Arab, Turkish or Iranian is very new. Now there is something like Berlin walls between each nation. For example, between Iran to Turkey, you have just to cross a border, but nobody listens the music of the other ones. كما وأنني أحيي مؤسس فرقة الكندي
المبدع على آلة القانون الفنان جلال الدين فايز.